La seconde moitié quand tu m'auras sorti de là. Sous mon siège, il y a une valise avec des affaires pour vous. Fais ce que tu as à faire et ne t'avise pas de jouer au plus fin avec moi, compris? Oui, oui, soyez tranquille. Je m'occupe du reste du voyage. Tenez, je vous ai préparé un petit café. Ah, ça c'est gentil. Nous devrions arriver à la base de la prison dans moins de 3 heures. Pas de problème avec notre passager? Aucun. Tant mieux. C'est la première fois que je transporte un criminel aussi dangereux. Si vous voulez vous dégourdir les jambes 5 minutes, je peux prendre les commandes. C'est une excellente idée. Il paraît qu'il s'est déjà évadé 2 fois de prison. Je vais arranger ça. Et voilà ma séance de photos d'aigle qui s'envole. Un problème? C'est à n'y rien comprendre. Moi, je crois comprendre. Alex! Alex, tu sais que je n'aime pas que l'on joue avec le matériel. Oh, y a quand même pas de quoi en faire un plat. Si on ne peut plus faire de blagues un jour comme aujourd'hui... Eh oui, nous sommes le 1er avril. Dan, un appel urgent du shérif Mary Bones. Des randonneurs ont cru apercevoir un petit avion en détresse. A priori, l'appareil se serait abîmé au-dessus des Rocheuses, dans la zone 52-7, 119-3. Je voudrais avoir confirmation avant d'envoyer des secours. Très bien, Mary. On va survoler la zone. Merci, Dan. Terminé. Max! Voici la zone à explorer. Comme vous pouvez le voir, cet endroit n'est pas des plus accessibles. C'est pratiquement impossible d'atterrir dans ces reliefs, et la forêt est très dense.
Quel type d'avion doit-on retrouver? Vraisemblablement un petit appareil. Que dit la météo, Emma? Neige, froid et couvert. Ça vous surprend? Sacré aubaine, sans les sapins, l'avion dévalerait la pente. En revanche, on ne peut pas atterrir sans risquer de faire capoter l'hélico. On n'a pas le choix, il faut élitreuiller. Tina, dis à Alex de se tenir prêt. On commence l'évacuation. Bienvenue à bord. Que vous n'avez rien de cassé. Qui que vous soyez, ne me touchez pas! Désolé, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Et vous aussi, qui que vous soyez, évitez d'agresser vos sauveteurs. Pardon, je suis navré. Le choc. Moi, c'est Jeff. John Fulton, juge John Fulton. Ses fonctions vitales n'ont pas l'air d'être touchées, mais il est inconscient. Ah. Tant mieux s'il n'est pas touché. Et où est Flinch, l'officier? Dans l'hélico. D'ailleurs, si vous voulez bien sortir, on va vous évacuer, vous aussi. Ce sont justement les affaires personnelles de l'officier chargé de ma protection. Une avalanche! Tu me reçois? Oui, Tina. On a été un peu secoués, mais tout va bien. Il faut impérativement que tu quittes la zone. Mais Dan, on ne peut pas vous abandonner comme ça. La présence de l'hélico est trop dangereuse. Retournez à la base et déposez le blessé. On se retrouve au lac Salé. Max connaît. C'est bien. Continue de dormir, toi. Wilco, Dan. Terminé. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Si tout va bien, on aura atteint le lac Salé d'ici 1 à 2 heures. Quant au froid, le meilleur moyen de le combattre, c'est de se dépenser. Allons-y. Là, on sera mort de froid avant d'arriver à votre lac. Pourquoi ne pas se débarrasser de lui? Mieux vaut sacrifier un homme pour en sauver trois. Alors écoutez, ici, c'est moi qui décide. Et il est hors de question d'abandonner qui que ce soit. Cela dit, si vous désirez tenter votre chance tout seul, ne vous gênez pas. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'à la base, tout le monde est sur le pied de guerre pour organiser les secours. Je n'en doute pas. N'en sait pas plus que nous. L'autre passager était aussi un officier de police? Aucune idée. Au moins, il est au chaud ici.
Bonjour. Comment vous sentez-vous? Où suis-je? Qui êtes-vous? Vous avez eu un accident d'avion. Vous vous souvenez? Où est le passager? Ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. On n'a pas le choix. Il va falloir traverser ça. Ça va aller avec la civière, Jeff? Bon. Pour communiquer dans le brouillard, 3 coups sur la corde pour un problème, 2 coups pour une pause et 1 coup pour repartir. Compris? Mais comment ça se détache, ça? J'ai un besoin pressant. C'est simple, regardez. Vous avez juste à appuyer là. Il est bizarre, ce juge, non? Tu as vu sa réaction vis-à-vis du pilote? Oui, mieux vaut rester prudent. Bonjour, chef, c'est Flinch. Flinch, mais qu'est-ce qui se passe? La prison vient de m'appeler, vous devriez y être depuis longtemps. On a eu un léger problème mécanique. On s'est posé sur un aérodrome pour faire réparer. Et le prisonnier, tu sais que ce gars est dangereux. Pas d'inquiétude, il est menotté et bien gardé. Les mécaniciens m'ont affirmé qu'on pourra repartir bientôt. Bon, tu nous tiens au courant. Ah, oh, ce Flinch. Tout va bien? Oui, oui, oui. Mes supérieurs s'inquiétaient. Vous voyez, c'est ici qu'on doit les retrouver. Parachute, veux-tu rester tranquille? Dites, quand vous m'avez transporté, vous n'avez pas trouvé une enveloppe jaune? Oh, ce n'est rien, mon ordre de mission. Mais vous savez ce que c'est, la paperasse policière. Elle est peut-être tombée dans l'hélico? Je vous accompagne jusqu'au hangar. Non, non, ne vous dérangez pas, je trouverai. Bizarre, quand Parachute est comme ça avec quelqu'un, c'est qu'il sent quelque chose. Allez, va-t'en! Laisse-moi tranquille, sale bête! Courage derrière! On ne devrait pas tarder à en voir le bout! Bon, on redémarre quand vous voulez. Qu'est-ce qui se passe devant? Ohé! Juge Fulton! Dan! Je n'entends rien! Il y a un problème! Tout va bien! Bon. Calme-toi, vieux. Surtout, pas de panique. Bon sang, mais où est ce pognon? Qu'est-ce que vous dites? Je dis bon sang, belle installation. Ah, merci. Mais dites, vous préparez l'hélicoptère? Le dernier réglage est pratiquement terminé. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas prendre l'hydravion? Il peut se poser sur le lac avec ses skis neige. Ce lac est très salé et le sel empêche la glace de se former à la surface. Elle est trop fragile pour supporter l'hydravion avec 5 personnes à bord. Ah. Le problème, voyez-vous, c'est que je sais piloter un hydravion, mais pas un hélico. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tina et Alex vont s'en charger. Ah, très bien. Dites, je me demandais, comment faites-vous sortir les avions d'ici? Cette petite boîte commande la borne qui actionne la plateforme. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre? Un petit café, ça ne serait pas de refus. Je m'en occupe. C'est une de mes spécialités. J'aurais jamais cru avoir autant de plaisir à voir ce lac. Votre cordage, où sont Jeff et le pilote? Je ne me suis rendu compte de rien. Avec ce froid, je ne sens plus grand-chose. Vous vous fichez de moi? J'espère pour vous qu'il ne leur est rien arrivé. N'avancez pas! Je vais aller les chercher. Non, restez ici. C'est à moi d'y aller.
Merci bien. Allons, parachute. Est-ce que tu peux être gourmand? Ce n'est que du café. Je vous reçois, Marie. À vous. J'ai une mauvaise nouvelle. L'avion auquel vous avez porté secours transportait un dangereux criminel d'une prison à une autre. Quoi? Dan et Jeff sont avec un criminel et ils ne le savent même pas? Et malheureusement, ce n'est pas tout. J'ai appelé la prison. Flinch, l'officier fédéral qui est censé l'escorter, a raconté à son chef qu'ils avaient simplement eu une petite panne. On le soupçonne d'être complice. Flinch? Où est-il? Avec Max. Max? Max? Max! Il va s'en remettre. On s'est bien fait avoir. Impossible de sortir un avion pour poursuivre ce sale type. Si on ne trouve pas une solution, Dan et Jeff sont dans de beaux draps. Tu oublies ton petit Alex préféré. Prépare-toi à décoller. Le courant dans le hangar a été coupé par le système de sécurité anti-incendie de la base. Pour le rétablir, il suffit de déconnecter le système. Maintenant, pour ce qui est de la cellule photoélectrique qui commande la plateforme, mon petit programme de ce matin devrait faire l'affaire. Ohé! Dan! Juge Fulton! Mon passager, c'est un dangereux criminel. Le juge? Un criminel. Attendez, réveillez-vous! Jeff! Ohé! Dan! Par ici! T'as compris sur quelle touche appuyer? Oui, oui. Alex, je t'en prie, fais attention, la piste a l'air très glissante. Ne t'inquiète pas, petite mère, tout ira bien. Tu es sûr d'avoir bien entendu? Certain. Le pilote a parlé du passager et il n'y en avait pas 36 à bord. Si ce soi-disant juge est un criminel, ça explique qu'il ait voulu se débarrasser du pilote et de toi. Et qu'il ne nous ait pas attendus. N'ont-ils pas pris l'hélico? Regarde! Voilà notre fou juge! Alors, on abandonne ses amis? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Vous allez regretter! Tiens, prends le cordage, Jeff. Mais ce n'est pas Tina. Tiens bon, Jeff. Je crois que je n'ai pas le choix. Oh!
dès que tu auras un appui, essaie de stabiliser la corde de la civière pour ne pas qu'elle se balance. Je m'occupe de venir te chercher. Alex, qu'est-ce qu'on fait une fois au lac? J'ai ma petite idée. N'oublie pas que le lac est salé et donc la glace fragile. Heureux de vous retrouver, ça n'a pas été facile, mais... Tais-toi et dépêche-toi de décoller. Bien joué, Jeff. Qu'est-ce que... Belle voltige, non? Ça, c'est du timing. Dan doit être fier de nous. On a empêché l'hydravion de décoller, mais on ne peut pas le faire éternellement. C'est quoi ton idée? Eh bien, est-ce que tu te souviens de tes premiers atterrissages? Oui, même si je préférerais les oublier. Mais je crois comprendre. Ils ne vont quand même pas atterrir, c'est du suicide. Elle est trop loin. Redressez, bon sang, vite! Tina, je crois qu'entre toi et moi, la glace est définitivement rompue, non? Je suis pas mécontent de voir repartir tout ce monde-là. Bye. Dire que je me suis trimballé ce type jusqu'au lac et qu'une fois à la base, il se réveille comme une fleur. C'est l'air de cette base qui est vivifiant. En tout cas, Jeff, tu as un nouveau candidat pour une balade. Oh, moi je vais me coucher. Demain, une dure journée m'attend.